Vous êtes bien sur la fréquence un duo rôliste. Je pense qu'il est temps de revêtir votre tenue tactique. Arthur avait plein d'idées pour intégrer Flexing et plaire à Sylvain, son patron, mais la réalisation n'a pas été à la hauteur. Et le jeune agent de la DGSI marche sur la lame du rasoir. Alors qu'il rentrait chez lui, dépité, il a reçu le code secret pour un rendez-vous urgent. Il est temps de rendre des comptes à son organisation. Un petit avertissement quand même avant de commencer cet épisode, la scène de fin contient beaucoup d'agressivité émotionnelle et du harcèlement moral. N'hésitez pas à sauter ce passage si vous n'êtes pas à l'aise. Donc tu reçois un message, un texte, qui te dit « Gilbert, ta sœur était pas contente, elle a acheté des légumes, ils étaient pas frais au supermarché. » Pas frais, ok, super. Donc j'ai un rendez-vous quelque part. Ok, parfait, il y a un rendez-vous quelque part. Ok, nickel. Et donc tu as un rendez-vous à l'extérieur de l'île. Donc, en fait, tu arrives chez toi, limite tu te changes et tu repars. Et donc, tu rencontres sur place, eh ben, étonné, tu rentres dans la pièce et qui se trouve là ? Daniel. Non. Le lieutenant Léopold Baguette lui-même. Fou ! Ouais. Bah, ton chef. Quoi. Bravo au chef. Ok. Et donc, tu vois que tu arrives et fais ah ! Pas bon signe ça. Arthur. Oui. Asseyez-vous. Ok. Tu vois qu'il y a un autre homme aussi, qui est là. Mm-hmm. Profil police. Tu vois, cheveux courts, l'homme qui est habitué à porter l'uniforme, quoi. Mm-hmm. Qui se présente... Mais qui n'a pas d'uniforme, là. Non, il n'a pas d'uniforme. Okay. Il se présente comme le lieutenant marin. Ok. Donc, ton supérieur chic te fait une introduction. Donc, lieutenant marin, il est responsable de la police qui fait la sécurité des gares. Des gares et des aéroports à Paris. Ah, donc, vous faites des présentations, vous changez les politesses d'usage, et tu dis bon, ben, nous avons appris que vous allez donc aller à ce. À ce salon. Oui. À ce salon dans 2 jours. Oui. Donc, voici la suite de votre mission. Mmh. Le lieutenant marin va vous expliquer comment ça va se passer. Et ensuite, on va organiser des détails, et puis dans 2 jours, ça commence, ok ? Oui. Donc le lieutenant Marais se retourne, il fait, bon, écoutez, nous suspectons que Sylvain Pleuticu va transporter avec lui des documents ultra secrets, ou des documents d'innovation scientifique très secrète concernant la société Flexing durant ce voyage. Donc nous savons qu'il a pris rendez-vous avec son contact, un Damien Sépachard. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. qui est le broker à qui Sylvain Pleuticu va vendre les documents. Mm-hmm. Nous ne savons pas où se trouve le lieu du rendez-vous. Il va falloir que ce soit à vous de le découvrir. Mais voici comment l'opération va se passer. Vous allez prendre le TGV de l'île en direction de la gare du Nord à 19h12, n'est-ce pas ? Donc comme c'est toi qui arrives à les billets de train, tu sais. Donc le TGV, donc c'est dimanche soir, puisque le salon commence lundi. Donc le TGV 70-76 qui part de 19h12 de la gare de Lille et qui arrive à Paris, gare du Nord, à 20h14. Alors que vous sortirez tout du train, faites en sorte d'être avec l'individu, avec lui, on dirait l'accompagner, puisque vous allez être arrêté par la police et vous allez être emmené dans une salle spéciale de la gare qui est réservée aux interrogations du service de sécurité. Notre but à nous, c'est de retarder le suspect et faire en sorte qu'il panique et qu'il ait l'impression qu'il va rater son rendez-vous. Ensuite, vous allez devoir le convaincre qu'il vous donne les documents et qu'il vous demande d'apporter ces documents à son contact. Si vous êtes assez convaincant, et vous devez l'être, et tu vois qu'il te regarde avec des yeux bleus d'acier en te disant ça, il devra vous remettre les documents et vous donner le lieu de rendez-vous. À ce moment-là, nous trouverons un moyen de vous faire sortir tout en gardant le suspect... Dans la salle, et vous allez rejoindre mes équipes dans la gare, et vous allez changer les documents. À ce moment-là, vous allez
prendre, vous allez aller à l'endroit de l'échange, et vous allez rencontrer donc son contact, Damien Sepachar, et vous allez remettre le document à l'empereur. Il est primordial que ces documents que nous aurons substitués arrivent au contact et soient donnés. Une fois que vous avez remis les documents, vous disparaissez. Vous n'allez pas à l'hôtel que vous avez réservé. Vous allez même sortir de Paris. Un officier vous amènera dans une maison spéciale où vous allez rester quelques jours avant de pouvoir réintégrer vos bureaux et votre vie en général. Nous avons déjà préparé votre lettre de démission. Nous savons très bien que vous avez eu un entretien avec la directrice de l'entreprise qui vous a expliqué très simplement que vous risquez d'être renvoyé. Donc nous allons profiter de cet événement-là pour faire une fausse lettre de démission qui partira le jour même et qui annoncera à votre supérieur hiérarchique, donc à Sylvain, ainsi qu'au responsable de Flexinc, de votre départ immédiat et non conditionné. Est-ce que vous avez des questions ? Parfaitement clair. Très bien. Eh bien, on se retrouve dans 3 jours. Ok, dans 3 jours. Dans 2 jours, excuse-moi, dans 2 jours, c'est 2 jours. Mm. Et tu vois que le lieutenant Baguette te regarde, te serre la main et te dit « Arthur, nous comptons sur vous, ok ? Je sais que ça a été difficile dans les quelques dernières semaines. Je sais que vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Ça arrive. Le plus important, c'est que vous trouvez un moyen que cet homme vous donne ses documents et vous demande d'y aller à sa place. En revanche, ne vous mettez pas dans une situation dangereuse. Si vous voyez que ça ne marche pas, nous annulerons l'opération et nous trouverons un autre moyen. Mais cette mission aura potentiellement de forts dommages sur la France entière. Donc nous comptons sur vous. Ok. Bon, et donc tu repars de là. 2 jours passent. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier dans 2 jours passés, à part stresser ? Le truc que je me suis dit que j'aurais peut-être demandé, est-ce qu'il n'y avait pas un plan backup où il pouvait échanger les documents d'une autre façon et mettre un traceur ou autre. Bon. Non, ben non. De toute façon, c'est un peu frustrant que je reviendrai pas. Bon, ok. Non, je vais écouter, c'est les plus habitués, ils sont habitués, je fais mon boulot de pion. Okay. T'es pas un pion, hein, t'es un agent du renseignement, c'est important ce que tu fais. Oui, non, mais c'était pas péjoratif quand je dis ça. Ils ont prévu un plan, il faut que le plan se fonctionne comme ils l'ont prévu, donc faut que je trouve les moyens pour. Le seul truc que j'essaie de demander, c'est quelle serait la technique que j'aurais pour qu'il arrive à me faire un minimum. Mais je pense que je tenterai ça dans ce cas-là. S'il est retenu et que tout, je tenterai l'argument de je tiens à mon stage, je veux tout faire pour, donc faites-moi confiance et je vous décevrai pas, quoi. Okay. C'est le seul argument que je veux faire, quoi. Ok. Donc. Tu as réussi à avoir un billet train dans le wagon qui est juste derrière le sien. Donc lui, il est en business, dans le dernier wagon de business, et toi, c'est dans le premier wagon d'économie. Donc en fait, vous êtes juste là à la truc. Et donc, le voyage se passe. Vous sortez tous les deux du train et tu arrives à t'arranger pour regarder quand est-ce qu'il sort. Et puis tu le rejoins. Tu sais, tu descends ton train en courant, tu le rejoins. Et tu vois que quand tu le rejoins, il porte une sorte de sacoche marron. En fait, vous n'avez pas embarqué en même temps. Il est super bien sapé. Ouais. Il a une sorte de grand tempère magnifique dans les tons bruns. Beige foncé, brun. Et tu vois qu'il porte cette espèce de sacoche marron qu'il a. Sacoche que tu n'as jamais vue. C'est marrant parce qu'en fait, tu dis avec les trucs modernes, une pauvre clé USB que tu mets dans ta poche, c'est tellement plus simple. Ouais. Sacoche marron que je n'ai jamais vue. Hein, tu le sais pas, mais en fait... Il t'a jamais rien dit sur les documents. Tu sais pas quels documents ils transportent. Tu sais même pas où ils sont. Et comme vous n'avez pas voyagé ensemble, vous n'avez même pas rentré dans le train en même temps. En fait, tu le retrouves, mais de toute façon, j'obéis à ce qu'on m'a dit. On m'a dit ils vont être arrêtés. On va échanger les documents. Débrouillez-vous pour amener le truc. Moi, j'obéis. Hein. C'est ça. Donc, tu vois que tu le rejoins en disant hey, Sylvain, je suis là ou quelque chose comme ça. Et tu vois qu'il te regarde toujours d'un air agacé, mais pas forcément. Il est T'as appris qu'il est pas forcément rancunier. Donc, ok, bah, t'es là,
Je dis, tu sais, limite, il te regarde, t'as l'impression, j'ai toujours ce boulet sur le dos, mais il est pas méchant par rapport à ça. Il est juste, il y a pas de rancœur, quoi. Et donc, alors que vous vous dirigez vers la sortie, tu remarques, et probablement que tu le remarques parce que tu t'y attendais, tu vois deux policiers en tenue avec un chien. Et tu vois que le chien se dirige vers vous, et tu vois que le chien commence à vous sentir. Et tu vois que Sylvain qui était surpris, qui fait « Oh, c'est quoi ça ?» Et là, tu vois qu'il voit que c'est des policiers en tenue, et il dit « Oh, excusez-moi, messieurs, mais vous m'avez surpris, qu'est-ce qu'il a, votre chien ?» Et tu vois que un des deux policiers répond tout simplement « Monsieur, je crois qu'il va falloir nous suivre. » Et là, tu vois qu'il y a le stress qui commence à apparaître sur le visage de Sylvain. Sylvain, parfait. Peut-être un stress qui est un peu trop disproportionné par rapport à juste se faire arrêter par deux policiers. Toi qui, une fois de plus, ça fait trois semaines que tu pratiques, tu ne connais pas par cœur. Par les infos, quoi. Ouais. Mais tu sens un peu ce stress-là. Et donc, les policiers vous emmènent, parce que toi, tu es avec eux, hein, ils vous emmènent tous les deux. Et en avançant, il y en a un qui tient le chien, qui est juste derrière vous. Et il y en a un autre à côté de vous qui parle avec Sylvain, qui dit « Monsieur, est-ce que vous portez sur vous des substances illicites ?» Et là, Sylvain se dit « Quoi ? Non, sans déconner, c'est pour ça que vous voulez m'arrêter ?» Mais non, bien sûr que non. Je suis un citoyen responsable. C'est illégal, la drogue. On ne fait pas ça. Je dis, non, écoutez, moi, j'ai fait mon travail. Hein. Je vous pose la question. Mais c'était juste pour vous demander. C'est mon travail. OK ? Écoutez, on va aller dans le bureau, puis on va en parler. Et donc, il vous mène donc, dans ce bureau. Donc, tu vois que c'est un bureau. En fait, c'est un bureau. Non, c'est pas un bureau. C'est une pièce. Il y a un bureau, il y a trois chaises dessus, mais elle est vraiment... déjà, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a qu'une seule porte, et il n'y a rien sur les murs, tu sais, c'est presque un truc de stockage, quoi. Non, il n'y a pas d'étagère, c'est plus, on dirait une pièce de prison, sauf qu'ils ont oublié de mettre la prison, quoi. Ok. Et donc, il vous installe, il dit « Asseyez-vous », donc vous asseyez tous les deux, et tu vois que Sylvain regarde sa montre, et d'un air inquiet. Donc là, vous êtes plus vers les... donc le temps que vous sortiez, etc., etc. Le train est arrivé à l'heure, donc 20h30. Mais c'était 20h15. 45, c'est ça. Donc tu vois qu'il regarde sa montre, et tu vois que le policier dit « Écoutez, vous allez nous attendre ici, puis un inspecteur va venir vous voir. » Et les deux policiers sortent et ferment la porte à clé. Qu'est-ce que tu fais ? Donc vous êtes tous les deux assis dans ce bureau... totalement impersonnel, totalement vide. La porte est fermée à clé, donc vous ne pouvez pas sortir. Il est en face de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Pour l'instant, je fais rien. J'attends, quoi. J'attends ? L'air aussi stressé que lui, quoi. Regarder aussi la montre et prendre les affaires. Ok. Mais je dis rien. Je veux pas rentrer dans son truc pour l'instant. Quoi. Ok. Les 5 premières minutes... qui ont l'air de durer des années, honnêtement. Même pour toi, t'as un autre type de stress, quoi. Ouais. Et ça a l'air d'être... Et tu vois qu'il dit rien. Il a l'air de truc. Et au bout d'un moment, il fait... Tu vois qu'il jure. Je vais pas le dire. Tu vois qu'il jure. Et en plus, il jure en anglais. ça doit être plutôt sa langue natale qui ressort, tu sais. Ou en tout cas, son... sa langue paternelle qui ressort, et il dit en anglais, et tu fais de tous les jours, il fallait vraiment que ça tombe aujourd'hui. Et là, il remarque que t'es là, il fait, c'est toi qui portes du shit ou quoi ? Non, c'est illégal, je fais pas ça, quoi. Et moi, je veux mon stage, je veux réussir, j'ai besoin, c'est ma vocation. C'est bon, tu vois pas qu'on a des vrais problèmes, là ? Qu'on est enfermé dans ces salles de merde ? Et on a des choses à faire aujourd'hui. À quelle heure le taxi t'es censé venir le prendre ? Je lui donne l'info. C'était il y a 15 minutes. C'était il y a 20 minutes, ouais. C'est il y a 15 minutes. Ah ouais, il a dû partir. Tu vois qu'il jure encore une fois. Après, je lui dis, puisque je connais le cas, par rapport à l'organisation de l'événement, pour moi, officiellement, il n'y avait rien le soir. Il y avait un pot d'accueil, par exemple. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien le soir. Tout est demain matin. Donc je lui fais... Bon, bah, je pense que c'est pas grave. De toute façon, tout démarre que demain matin à telle heure. Mais je t'ai demandé ton avis à toi. Oh,
Je le sais, je le connais moi aussi. Tu vois que c'est moi qui l'ai signé. Ah, vraiment, hein? Je me mets dans un coin. Oui, c'est ça. Je sais vraiment pas pourquoi... Non, écoute, fous-moi la paix. Tu vois qu'il se lève et qu'il va taper à la porte. Il tape à la porte. Pou, pou, pou. Oh, ça va durer longtemps? Et il y a une voix derrière qui dit « Il faut encore attendre hein. !» Et tu vois que là, tu vois qu'il commence à être vraiment, vraiment énervé. Quoi. Au lieu de se rasseoir, tu vois qu'il fait les 100 pas. À un moment, il donne un coup de pied dans la chaise. La chaise tombe, fait un fracas d'enfer sur la truc. En plus, comme il n'y a rien, comme c'est une pièce qui est quasiment nue, les bruits résonnent sur tous les murs, donc ça fait un truc. Comment tu réagis par rapport à ça? Comment tu... Rien, je mets dans un coin, je fais le tagir discret, qui joue ça, ça truc, donc il veut pas faire de truc, donc il se met dans un coin, il attend quoi. Donc tu vois qu'il s'énerve, et puis tu vois que de plus en plus, il regarde sa montre. Et à un moment, tu vois qu'il en peut plus, donc il retourne à la porte, il fait « Oh, sans déconner, là !» Je sais que vous êtes la police, mais moi aussi j'ai des choses à faire. Ça va venir ? Ça fait à peine 10 minutes que vous êtes là. Hein. Tu vois qu'il monte dans les tours très très rapidement, comme une voiture de sport. Ah oui, effectivement. Et là, il y a même pas de réponse. Et il fait hop. Et il jure encore. C'est dur de faire des podcasts sans jurer. Et tu vois qu'il a l'air énervé. Il fait et puis toi, là, fais quelque chose. Ah, c'est possible, hein. T'es censé être mon assistant. Tu fais jamais rien de bien. Alors là, tu pourrais peut-être essayer d'aller leur parler pour leur dire qu'il faut sortir. C'est pas vrai, j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé. Et vous avez essayé de me faire renvoyer. Moi, je veux mon stage, je veux réussir. D'accord, j'ai peut-être pas fait les bonnes de toi, mon gars. Qu'est-ce que j'en ai à faire de toi, mon petit Gilbert? T'es un naze. Tu comprends rien. T'es un lèche-cul, en plus. Je sais que t'as essayé de te mettre toute la boîte dans la poche, à apporter des petits cafés le matin. Oh oui, c'était très gentil. Et à faire les mignons. Et à faire des beaux yeux à la petite Marie. Ah oui, ben, la petite Marie, je suis désolé pour toi, mais elle est lesbienne. Donc, même pas en rêve, tu vas pouvoir lui faire les yeux. Sa meilleure amie, là, elle couche avec. Donc, oublie. Oublie ces trucs-là. T'es mauvais. Et là, je te demande un seul truc, de m'aider à sortir de cette putain de pièce, et tu m'aides vraiment pas. Écoute, va leur parler au moins, va, fais quelque chose. Fais quelque chose. Au lieu de me dire tes petits problèmes. Ouais, j'ai envie de faire un truc. Vas-y, lâche-toi, allez, vas-y. C'est important. Il est debout en face de toi. Ok. Je m'efface à lui. Il va m'invectiver. Mais non, il te regarde, il t'a dit fais quelque chose, donc là tu te lèves, tu te Je lui colle une beigne. Ok. Eh ben tu vas me faire un geste, là, tu vas faire un test. Donc c'est un test de feeling. T'es pas préparé, t'es pas forcément expert. Donc 1 des 6. Et on va voir comment tu réussis. Il faut que tu fasses 5 ou plus. Je suis préparé parce que j'ai une stratégie derrière. Ouais, mais non, c'est mais là t'es quand même. Est-ce c'est pas l'émotion. Non. En fait, l'idée c'est, je me dis par rapport à sa façon de réagir et tout ça, il me dit de faire quelque chose. J'essaie de toujours parler le truc de la stratégie. L'idée, c'est de lui dire, je suis en train de jouer mon stage, je veux réussir, et que ces pétages de plomb, se faire insulter, en fait, j'en ai rien à foutre qui compte, c'est que je réussisse ma carrière. Donc là, en fait, toujours dans stratégie, les rouages qui tournent et l'année... Exactement. L'idée, c'est, je vais jouer, peut-être l'autre truc, je lui mets une beigne pour lui dire, écoutez, monsieur, moi aussi, je veux réussir, on fera ce qu'il faut, et calmez-vous. Et, en fait, c'est l'idée de jouer dans mon objectif de ma carrière, et qu'il peut m'insulter, je m'en fiche, ce qui compte, c'est que j'arrive à faire ma carrière. Ok, tu vas me faire donc, un test de laser. C'est hyper calculé, en fait. Oui, oui, d'accord, un test de laser. Alors, t'es quand même pas préparé. Ok. T'es pas expert non plus. Quoi que t'as fait... disons que t'as quand même fait des entraînements à la Kimini Police. Ouais. Et à la, okay. Mm. Donc, on va dire que t'es expert. Oui, parce donc, que je peux quand même contrôler la force quand même pour faire oui. Une baffe. Donc, tu fais 2d6. Ouais. Et en fonction de ce que tu as, on verra ce que ça donne. Donc, il faut que tu fasses 5 Ouh, mois. C'est bon, j'ai fait 2-1. 2-1, ouais, parfait. Tu lui mets... C'est quoi? C'est une beigne, c'est ça? Tu, oui, tu lui oui, mets la mandale parfaite. Celle que tu avais calculée au millimètre. Pour le calme, la pression, l'impact. Boum! C'est sorti. Il t'a pas pu venir. À tel point qu'il est... Tu l'as abasourdi. Là, tu vois que pendant 5 longues secondes, cet air de contrôle et de supériorité qu'il a en permanence sur toi disparaît entièrement. Il est totalement pris au dépourvu. Et donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce moment-là? J'ai dit, vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fous, moi je veux ma carrière et je veux réussir. Donc, on va sortir, on va y arriver, c'est demain le truc, vous inquiétez pas, on trouvera quelque chose. Mais on se calme.
Tu vois qu'il est, tu vois qu'il commence à reprendre un peu de sa conscience. Il fait, ouais, ouais, je suis désolé. Ouais, t'as raison, j'étais un con. Aïe, déjà. Pardon. je te la rendrai, hein, t'inquiète pas. Ça, c'est les, des trucs comme ça, ça disparaît pas. Mais je suis désolé. C'est vrai que j'étais un peu trop fort avec toi. Après tout, c'est pas ta faute. S'il y a des comptes policiers dehors qui nous causent des problèmes, tu vois qu'il regarde ce monde, il fait. Par contre, il faut qu'on sorte là. Il faut qu'on trouve un moyen là. J'ai quelque chose à faire là. C'est très important. Écoute, essaye de leur parler. Toi, t'es un jeune, ça se trouve, ils vont t'écouter. Essaye de les embobiner là. Vas-y, fais quelque chose, ok? Moi, je vais taper gentiment à la porte. Ouais. Messieurs les policiers, est-ce qu'on peut savoir pourquoi on est retenu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou fournir? Est-ce que vous voulez nous fouiller? Vous parliez des chiens là. Vous pouvez vous montrer, faire le contrôle. Il n'y a rien, on peut sortir. Hein. On a du travail. Nous aussi. Donc tu essayes de prendre ta petite voix. Donc qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu essayes de jouer un rôle? Est-ce que tu essayes de... Ben, j'essaie de faire qu'il y a sûrement il y a une procédure qui doit être appliquée et on a bien le droit à démontrer non, là, qu'on veut non, et qu'on veut la jouer la procédure tu vois qu'on veut la jouer ben, c'est du feeling d'accord mais ouais. Allez, l'idée c'est ça un temps test. On va faire fouiller nous tu vois style je suis prêt pour le contrôle. Alors t'es préparé. Alors je vais considérer que t'es préparé donc c'est 2D mais là c'est du feeling. Attends je change de dé parce qu'ils ont fait petit je vais prendre cela. 5 ou plus. Non raté 2 échecs. Écoute, t'as vraiment pas l'air convaincant. Et tu vois que ça le refond en run. Tu vois, tu penses qu'il s'était un peu calmé. Et tu vois merde. Qu'il donne... Là, maintenant, il le fait pas exprès de faire tomber la chaise. Il donne une méga tatane dans la chaise qui s'écrase sur le mur. Ah, putain, t'es vraiment nul, hein. Bon, il se rassoit. Hein. Et il commence à sortir son téléphone portable. Et il commence à être... Tout d'un coup, il commence à t'ignorer entièrement. Et il commence à taper sur son téléphone portable. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je peux pas, de toute façon, je peux pas regarder le numéro qu'il a composé ou truc comme ça pour savoir s'il est en train de dire à son contact qu'il sera en retard ou autre. Donc, Tu peux essayer, écoute, tu peux essayer de faire. Tu peux essayer. Rien t'empêche. Ouais, mais ça sent le truc feeling, ça. Ça sent pas le truc laser. Et ensuite, tu choisis si tu fais ou pas. Hein. Non. Bon, ok. Donc, non, je fais rien. Tu vois que. J'attends un coin. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. En même temps, c'est vrai que j'aurais pas dû taper à la porte, ça faisait que 10 minutes. Donc, j'aurais dû juste dire on attend et il me dit fait quelque chose après, j'aurais dû pas faire. C'est pas grave. Tu vois que 5 minutes plus tard, donc ça fait 15 minutes, tu vois qu'il a. Sylvain, t'as totalement. Oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a. Oui, mis de côté, quoi. Il n'existe plus pour lui pour l'instant. Là. Tu vois qu'il est sur son téléphone. Et tu vois qu'il il regarde sa montre tout le temps, quoi. Et tu entends un des policiers derrière la porte qui dit « Monsieur Marteau !» Oui ?« Écoutez, on a vérifié vos identités, le commissaire va arriver, mais on va vous laisser partir. Par contre, monsieur Pleuticu ?» Donc tu vois que Sylvain se lève, il fait « Oui, moi ?» Vous, par contre, ça va prendre un peu plus de temps, donc vous allez rester un peu avec nous, mais vous inquiétez pas, hein, on fait juste des contrôles de routine, vous inquiétez pas. « Mais c'est pas possible !» Et tu vois que... donc, Monsieur Marteau... Et donc, tu vois que le policier ignore l'exclamation et il dit « Monsieur Marteau, le commissaire sera là d'ici 15 minutes. » Très bien, merci beaucoup. Et tu vois que Sylvain te regarde avec des yeux haineux, là, tout d'un coup. Et tu te rends compte, tu vas te sortir, et il regarde sa montre en même temps, et puis il se rassoit, là, il continue à taper. Qu'est-ce que tu fais? Dans 15 minutes, mais j'attends encore un tout petit peu. T'attends 5 minutes. En fait, je vais attendre un tout petit peu pour pas lui dire que s'il entend récemment, je dis ben, si vous voulez, si je sors avant lui et qu'il va en eau, je peux aller prévenir quelqu'un pour lui et que je le retrouverai plus tard après quand il sera là, à l'hôtel, quoi. Ok. Pour préparer le travail de demain, quoi. 10 minutes passent. Et alors que t'allais te retourner vers lui et que t'allais lui dire quelque chose, tu vois que c'est lui qui se retourne vers toi avant toi et tu dis Gilbert, tu veux réussir ton stage? Oui. Bon, mais viens ici. Quel revirement de situation, n'est-ce pas? Après s'être fait malmener, je dirais même plus insulter, Arthur est prêt à saisir la seule opportunité qui lui est offerte. Je me demande bien ce que Sylvain va lui proposer. Vous le saurez dans 2 semaines lors du grand final de cette saison. Entre-temps, venez faire vos prédictions en nous contactant sur notre site web, indurelis.net,
sur Mastodon @unduorolist@tout.port-imaginaire.com, sur Twitter et YouTube @unduorolist. Et comme d'habitude, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.